Bon, à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, chers collègues, je vous invite à prendre place. Vous avez des chevalets, des places à votre nom. Un, deux. C'est mieux comme ça. Merci. Mesdames et messieurs, bienvenue donc dans ce gymnase qui a été ouvert pour la circonstance et pour notre premier conseil municipal, le conseil d'installation. Nous sommes aujourd'hui le 25 mai. Le premier tour des élections s'est déroulé il y a plus de 2 mois. Et cela fait maintenant 2 mois et 3 jours que notre conseil aurait dû être installé. Entre-temps, nous avons traversé la première étape d'une crise sanitaire mondiale qui nous rappelle combien nous sommes vulnérables et interdépendants. J'ai donc une pensée pour tous ceux qui souffrent de cette crise, en particulier les malades ou ceux qui ont perdu un proche. Et j'espère très sincèrement que vous tous ici est en bonne santé. Cette crise n'est pas terminée, c'est la raison pour laquelle nous nous réunissons dans cette salle, notre gymnase municipal, qui offre les garanties nécessaires d'espace, même très largement, pour respecter les consignes sanitaires. Et le geste barrière, comme on dit, est maintenant devenu le signe le plus manifeste de la considération que nous avons les uns pour les autres, en somme, un signe de fraternité humaine. Nous avons opté pour le huis clos, mais le caractère public de cette séance d'installation est garanti par une diffusion en direct sur Internet. Ce conseil d'installation ne comprend que 3 délibérations, l'élection du maire, la détermination du nombre des adjoints et la liste des adjoints. Il n'y aura donc aucun débat. Nous allons maintenant procéder à l'appel nominal des présents et représentés. Voilà. Voici donc la liste. Madame Aline de Marcillac. Présente. Monsieur Jérôme Gacoin. Madame Florence Boutet, Monsieur Philippe Herzberg, Madame Denise Hirsch, Monsieur Thierry Soufi,
Madame Elisabeth Franck de Préaumont. Monsieur Antoine Furneau. Madame Agnès Fils-Laibert. Monsieur Luc de Noirmont. Frédéric Simon de Lavelle. Merci, excusez-moi, madame. Monsieur Benoît Houlon. Madame Valérie Perrier. Monsieur Julien Boulanger. Présent. Madame Laïla Benessam. Présent. Monsieur Guillaume Langeac. Présent. Madame Françoise Breu. Présent. Monsieur Francis Menet. Présent. Madame Odile Goutet. Présent. Monsieur Louis Pierre. Présent. Madame Marielle Grossman. Présent. Monsieur Pierre Chevalier. Présent. Madame Sophie Février. Monsieur Olivier Deroux. Pouvoir, c'est ça. Merci. Merci. Madame Noémie Poisson. Monsieur Joël Pastré. Monsieur Jean-Denis Pesty. Madame Pascale Deville. Monsieur Michel Delibes. Madame Dominique Naveau-Duchesne. Madame Hélène Séchal. Monsieur Bernard Leblon présent. Monsieur Olivier Farry. Alors, effectivement, maintenant, nous allons. Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs. Nous allons donc procéder à ce premier conseil municipal du 25 mai 2020, dont voici l'ordre du jour. Donc, installation du maire et des adjoints au maire. Et nous avons donc fait l'installation du conseil municipal avec l'appel nominal. Maintenant, nous allons nommer un secrétaire de séance. Et je crois qu'il est de coutume de prendre le plus jeune. Donc, c'est bien monsieur Louis-Pierre qui sera le secrétaire de présent. Merci beaucoup, monsieur. Donc, nous allons pouvoir commencer l'élection du maire. Alors, maintenant, voici effectivement la lecture des résultats de l'élection du 15 mars. Nous avions 7473 inscrits, 3017 votants, ce qui représente une participation de 40,37%. Vote blanc, 105 voix. La liste Vivons Ville d'Avray, conduite par Madame Aline de Marcillac, a obtenu 1559 voix, soit 53,54%, et l'ensemble de 26 sièges. La liste Génération Ville d'Avray, conduite par M. Jean-Denis Pesty, a obtenu 1353 voix, soit 46,46%, et donc avec 7 sièges. Bon, alors excusez-moi. Je suis ancien, mais comme vous le voyez, je suis un peu béotien en la matière, donc pardonnez-moi mes hésitations. Donc nous allons passer à l'élection du maire avec l'ouverture du scrutin et la lecture des articles s'y référant. Alors voici l'article L2122-4 modifié par la loi numéro 2013-403 du 17 mai 2013. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles à celles de membres de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date
à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Maintenant, le deuxième article, le L2122-7, modifié par la loi 2007-128 du 31 janvier 2007, article 1 JORF du 1er février 2007. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Enfin, une note, la loi 2007-128 du 31 janvier 2007, l'article 5, le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la présente loi. Le décret numéro 2007-1468 du 15 octobre 2007 a fixé cette date au 9 et 16 mars 2018. Enfin, le dernier article, L2122-8, modifié par la loi numéro 2019-1461 du 27 décembre 2019, article 39. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L2121-10 à L2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de 5 membres. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider sur la proposition du maire qui sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de 5 membres. Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de 4 membres. Merci de votre attention. Nous allons donc, monsieur le directeur général des services, voilà, nomination des, l'appel des candidatures. Donc, nomination de deux assesseurs pour le groupe majorité. Vous êtes, excusez-moi, madame. Oui. Merci, madame. Donc, et pour Génération Ville d'Avray, qui sera l'assesseur? Pascal Devilly. Merci, madame. Alors, nous allons donc passer à l'élection du maire avec l'appel des candidatures au poste premier tour. Appel de chaque conseiller par son nom. Qui est ? Aline de Marcillac, oui. Je propose ma candidature au mandat de maire de Ville d'Avray. Merci, madame. Pour l'opposition ? Jean-Denis Pesty, je propose ma candidature au poste de maire. Merci, monsieur.
D'accord, oui, parfait. D'accord. D'accord, de nouveau, on va recommencer. Parfait. Oui, vous m'écoutez. C'est ça, les noms des pour être maire. Oui. D'accord, merci, merci monsieur. Sillac, voilà, merci beaucoup, excusez-moi. À voter. Monsieur Jérôme Gacoin. À voter. Madame Florence Boutet. À voter. Monsieur Philippe Herzberg. À voter. Madame Denise Hirsch. À voter. Monsieur Thierry Soufi. À voter. Madame Elisabeth Franck de Préaumont. À voter. Monsieur Antoine Furneau. À voter. Madame Agnès Fisleiberg. À voter. Monsieur Luc de Noirmont. Madame Frédéric. À voter, Madame Frédéric Simon de Lavelle. À voter, Monsieur Benoît Houlon. À voter. Madame Valérie Perrier. À voter. Monsieur Julien Boulanger. À voter. Madame Laïla Benessam. À voter. Monsieur Guillaume Langeac. À voter. Madame Françoise Breu. Ici. À voter, Monsieur Francis Menet. À voter, Madame Odile Goutet. À voter, Monsieur Louis Pierre.
à voter. Madame Marielle Grossman. À voter. Monsieur Pierre Chevalier. À voter. Madame Sophie Février. Monsieur Olivier Deroux. Oui, pouvoir, autant pour moi. Madame Noémie Poisson. Monsieur Joël a voté. Monsieur Joël Pastré, pardon. Joël Pastré. A voté. Monsieur Jean-Denis Pesty. A voté. Madame Pascale Deville. A voté. Monsieur Michel Delibes. À voter. Madame Dominique Naveau-Duchesne. À voter. Madame Hélène Séchal. Monsieur Bernard Leblond. À voter. Et enfin, monsieur Olivier Fary. À voter. Voilà, merci aux deux scrutateurs de bien vouloir venir sur les deux tables du milieu pour que nous puissions procéder avec monsieur le directeur général des services au dépouillement. Thank you.
Jean-Denis Pesty. Jean-Denis Pesty. Jean-Denis Pesty. Aline de Martillac. Aline de Martillac. Aline de Martillac. Aline de Marcillac. 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 Jean-Denis Pesty. Aline de Marcillac. Vingt-six voix, Aline de Marcillac. Sept, Jean-Denis Pesty. Les résultats, Madame Aline de Marcillac récolte 26% des votes. Monsieur Jean-Denis Pesty, 7. Donc Madame Aline de Marcillac est proclamée maire de Ville-d'Avray. Ça y est. Je vous remercie pour votre vote. Et en fait, je vais faire quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude, c'est-à-dire que je voudrais d'abord remercier notre doyen Bernard Leblon pour avoir procédé à cette élection. Et dans des circonstances ordinaires, c'est lui qui devrait me remettre mon écharpe de maire. Nous sommes dans des circonstances particulières et je vais l'enfiler moi-même. Mais voilà, en le remerciant doublement d'avoir procédé à l'organisation de ce scrutin. Et je vais donc me lever pour aller chercher l'écharpe qui est derrière moi.
Merci, monsieur le doyen, pour votre aide jusqu'au bout. Donc, je vais vous remercier. C'est un moment important et fort pour moi. C'est un moment important et fort pour nous. Et c'est un moment important et fort pour Ville d'Avray, puisque le rendez-vous de l'élection du maire se déroule en principe une fois tous les 6 ans. Mes chers collègues, je vais commencer par des remerciements. Et ma première pensée s'adresse aux conseillers municipaux sortants qui ont continué à assumer la responsabilité des affaires de la ville durant la crise sanitaire. Je pense en particulier à celles et ceux qui ont accompagné les personnes âgées et fragiles, préparé la réouverture des écoles et des services municipaux, soutenu les commerçants dans leur vie quotidienne, poursuivi le dialogue avec les autorités de l'État, maintenu le lien avec les habitants, commandé et distribué des masques. Je les remercie pour leur engagement au service de la ville, les remercie pour ce qu'ils nous ont transmis et leur souhaite une belle continuation avec un repos bien mérité. Jusqu'à la dernière minute, et au-delà du temps normal de leur mandat, ils nous ont montré que les élus sont, avant toute chose, au service du bien commun et de la vie démocratique. Je remercie aussi l'administration communale pour son implication et son efficacité. Je sais pouvoir compter sur elle. Mes remerciements s'adressent enfin à tous les électeurs de Ville d'Avray qui ont porté la liste que j'ai conduite en tête des suffrages. Je les remercie pour leur confiance qui nous honore et nous oblige à nous en montrer dignes. Je suis consciente aussi que de nombreux électeurs ont choisi l'autre liste candidate. Qu'ils sachent que mon souhait est de rassembler, de dialoguer et de prendre en considération la diversité des sensibilités dans la ville. Chers collègues du groupe Majorité, je vous remercie de la confiance que vous venez de me renouveler en apportant votre soutien à ma candidature ce soir. La campagne que nous avons conduite ensemble est un véritable tremplin pour notre travail d'équipe. Votre enthousiasme et votre énergie constituent une véritable richesse pour notre ville. Notre plus grande force, c'est vous. Je m'adresse maintenant directement aux conseillers du groupe Génération Ville d'Avray. Nous nous sommes durement affrontés durant la campagne. Nous voilà maintenant réunis dans une assemblée qui doit savoir fonctionner conformément aux règles prévues par le droit. J'espère que nous parviendrons à dialoguer dans l'esprit de coopération qui a jusqu'ici prévalu à Ville d'Avray afin de construire ensemble une mandature bénéfique pour la ville. Nous voilà tous élus pour 6 ans. Pour ma part et avec le groupe de majorité, nous devons travailler à partir de priorités claires et partagées avec les habitants. Nous mettrons en œuvre les projets municipaux sur lesquels vous nous avez élus. La crise que nous traversons et les incertitudes actuelles confortent encore davantage le caractère prioritaire de ces objectifs. Mon expérience me montre aussi combien, en cours de mandat, de nouvelles priorités ou de nouveaux paramètres peuvent venir
perturber une trajectoire et nous amener à naviguer avec autant de détermination que d'agilité pour réajuster notre feuille de route sans perdre de vue notre cap. Je vais vous parler de trois objectifs. Le premier est d'adapter notre ville aux conséquences des dérèglements climatiques pour qu'elle reste agréable dans le temps. Cela ne se fera pas en un jour et ne pourra se faire que dans la coopération avec nos partenaires locaux et institutionnels, car seuls, nous ne pouvons rien. Cela passe par l'amélioration de l'efficacité énergétique de nos bâtiments, par l'accompagnement des copropriétés, par une grande attention à la qualité des nouvelles constructions, par la transformation progressive de nos modes de déplacement, par une consommation et une alimentation plus responsables, par la protection de notre patrimoine naturel et surtout par le renforcement des solidarités locales, notamment intergénérationnelles. Le deuxième objectif est la modernisation de notre ville pour qu'elle soit attractive et agréable pour les jeunes familles qui y arrivent, comme pour celles qui y vivent déjà. Que notre ville puisse offrir les services que chacun est en droit d'attendre aujourd'hui. Je pense à nos équipements, notamment ce gymnase, qui a besoin d'être rénové, à la résidence des personnes âgées, et puis au fait que chacun peut avoir accès à des services de santé et de bien-être, à des espaces de travail, à des logements décents, à des lieux de culture, et bien entendu, puisse pouvoir se déplacer dans la ville en toute sécurité. Le troisième objectif est le soutien à l'activité locale, en particulier à nos commerces et à nos entreprises, en prenant bien entendu appui sur le développement numérique. Au croisement de ces objectifs, nous allons reprendre la rénovation de notre centre-ville comme nous nous y sommes engagés. Nous avions choisi il y a quelques mois de présenter aux habitants les premières esquisses à un moment où nous prenions un réel risque politique. Nous l'avons fait pour ne pas retarder inutilement des projets qui avaient déjà longtemps attendu. Néanmoins, nous avons bien entendu et bien compris qu'il y avait de nombreux points à retravailler sur ce projet. Nous allons donc retravailler le programme, reprendre la concertation avec les habitants, et cela entraînera certainement des modifications et des ajustements. Mais nous irons jusqu'au bout. Tous ces objectifs, nous les mènerons à terme, en lien avec les habitants, dans une vraie démarche de participation citoyenne. Nous chercherons, dans un cadre institutionnel et financier hyper contraignant, à utiliser au mieux nos marges de manœuvre, de façon à pouvoir atteindre ces objectifs dans les meilleures conditions possibles pour les finances de la ville. Pour finir, je voudrais dire un mot sur la conscience de la responsabilité qui m'habite. Par leur vote, les électeurs confient à des femmes et à des hommes le soin de porter le destin de leur ville pendant quelques années. J'ai vraiment la conscience du fait que les élus que nous sommes, sommes de passage. Nous sommes des passeurs. Saint-Exupéry disait « Nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Nous n'héritons pas la ville de nos prédécesseurs, nous l'empruntons à nos successeurs. » Chers collègues, je vous remercie de votre attention et nous allons, avant de poursuivre le déroulement de ce conseil municipal avec l'élection des adjoints, je vais demander si... à M. Pesty, s'il souhaite prendre la parole. Merci beaucoup. Donc oui, je vais prendre la parole, je serai plus bref. Donc, chers élus,
6 années en tant qu'élus se profilent devant nous. 6 années durant lesquelles nous devrons, ensemble, travailler efficacement afin d'apporter des solutions pragmatiques et respectueuses des volontés citoyennes que nous représentons, notamment à l'heure actuelle, en matière d'urbanisme. Nous le voyons au quotidien, le système politique français se trouve dans la tourmente et fait l'objet de vives critiques. À l'échelle locale, nous devons recréer un lien fort avec les Français et a fortiori les Dagovéraniens. L'objectif est de nous réinventer positivement en tant qu'élus dans l'intérêt de tous. Cessons l'élagage du lien entre élus et citoyens, reverdissons notre démocratie locale. C'est dans cet esprit que l'équipe Génération Ville d'Avray et moi-même allons assumer nos responsabilités durant les 6 années à venir. J'en profite aussi pour remercier toutes les équipes de la ville et les professionnels qui ont permis d'organiser cette séance du conseil municipal. Sans eux, ça n'aurait pas été possible. Merci. Sous ces micros. C'est bon. Je vous remercie. Je vais poursuivre le déroulement de ce conseil municipal avec la délibération suivante, qui est la détermination du nombre des adjoints au maire. En vertu de l'article L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine librement le nombre des adjoints sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 1 et excéder 30% de l'effectif légal du conseil. Le pourcentage ci-dessus constitue une limite maximale à ne pas dépasser. Donc pour un conseil municipal comportant 33 membres, le nombre d'adjoints maximal est de 9. C'est pourquoi je propose au conseil municipal de déterminer que nous désignions ensemble une liste de 9 adjoints, c'est-à-dire le nombre maximum d'adjoints pour une assemblée de 33 membres. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. Cette délibération est donc adoptée à l'unanimité des présents. Nous allons maintenant procéder à l'élection des adjoints eux-mêmes. Alors, en fait, dans les communes de 3500 habitants et plus, les adjoints sont élus parmi les membres du conseil municipal au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Et le vote a lieu également à bulletin secret. L'ordre de présentation de la liste des candidats aux fonctions d'adjoint n'est pas lié à l'ordre de présentation des candidats à l'élection municipale. Les listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. En revanche, aucune disposition n'interdit la présentation de listes incomplètes. Chaque liste doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Aucun formalisme n'est requis pour la présentation de cette liste. L'ordre de présentation doit apparaître clairement. Le plus souvent, le dépôt de la liste de candidats aux fonctions d'adjoint sera matérialisé par le dépôt d'un bulletin de vote. Et c'est ce que vous avez dans vos enveloppes. Vous avez des bulletins de vote comportant les membres de chaque liste. Lors du décompte des voix, ne peuvent être valides que les bulletins de vote conformes à la liste déposée, tant pour les noms des candidats que pour leur ordre de présentation. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, ce qui paraît en l'occurrence arithmétiquement difficile, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a donc lieu à la majorité relative. Je vais donc vous inviter à
trouver dans votre... Enfin, il faut que je fasse un appel des listes, peut-être. Oui, alors, effectivement, pardon. Je vais faire un appel des candidatures. Quelqu'un souhaite-t-il présenter une liste d'adjoints ? Jean-Denis Pesty, voulez-vous lire la liste des adjoints que vous présentez ? Donc, moi-même, Jean-Denis Pesty, Dominique Naveau-Duchesne, Michel Delibes, Pascal Devillet, Olivier Farry, Hélène Séchal, Bernard Leblon. Merci. Je vous remercie. Moi, je vais à mon tour présenter une liste d'adjoints. Jérôme Gacouin, Florence Boutet, Philippe Herzberg, Denise Hirsch, Thierry Sioufi, Elisabeth Franck de Préaumont, Antoine Furneau, Agnès Fisleiber, Luc de Noirmont. Mesdames et messieurs, y a-t-il d'autres listes ? Je ne pense pas. Nous allons donc procéder au vote et également à bulletin secret. Donc, je vais vous inviter à prendre une des enveloppes dans votre enveloppe et à y glisser le bulletin de votre choix. Pardon, on fait l'appel nominal, oui. Okay, je le fais moi, hein. Je dois avoir une liste. Alors attends. Oui, merci. Ouais, c'est super. Mais je l'ai. Donc on va faire l'appel nominal. Aline de Marcillac. Jérôme Gacouin. Florence Boutet. Philippe Herzberg. À voter. Denise Hirsch. C'est tellement loin. À voter. Thierry Sioufi. À voter. Elisabeth Franck de Préaumont. À voter Antoine Furneau. À voter Agnès Fisleiber. À voter Luc de Noirmont. À voter Frédéric Simon de Lavelle. À voter Benoît Houlon. À voter Valérie Perrier. À voter Julien Boulanger. À voter Leïla Benessam. À voter Guillaume Langeac.
À voter. Françoise Breu. À voter. Francis Menet. À voter. Odile Goutet. À voter. Louis-Pierre. À voter, Marielle Grossman. À voter, Pierre Chevalier. À voter, Sophie Février. À voter, Olivier Deroux, représenté par Philippe Herzberg. À voter, Noémie Poisson. À voter, Joël Pastré. À voter, Jean-Denis Pesty. À voter, Pascal Devillé. À voter, Michel Delibes. À voter, Dominique Naveau-Duchesne. À voter, Hélène Séchal. À voter, Bernard Leblon. À voter, Olivier Farry. À voter. Donc, je vais rappeler les assesseurs. Si elles veulent bien revenir, merci Pascal Devillé, merci Agnès Wiesleiber. Donc,
donc la liste Génération du Havre, Jean-Denis Pesty. Jean-Denis Pesty. Jérôme Gacon, je vais le trouver dans la liste. Ensuite, Jean-Denis Pesty. Jean-Denis Pesty. Jérôme Gacon. 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 Jean-Denis Pesty. Jérôme Gacon. Jean-Denis Pesty. Jean-Denis Pesty.
26 voix pour la liste d'adjoints d'Aline de Marcillac et 7 voix pour la liste d'adjoints de Jean-Denis Pesty. Je remercie les assesseurs qui ont effectué le décompte des voix. Et je déclare donc que la liste des adjoints conduite par la liste Vivant Villavray à Aline de Marcillac a été élue à la majorité absolue des voix. Les adjoints sont donc élus sont donc Jérôme Gacoin, Florence Boutet, Philippe Herzberg, Denise Hirsch, Thierry Sioufi, Elisabeth Franck de Préaumont, Antoine Furneau, Agnès Fisleiber et Luc de Noirmont. Je crois qu'on peut les applaudir. Les adjoints qui ont apporté leur écharpe, donc en fait ceux qui étaient déjà adjoints dans l'ancienne mandature vont pouvoir également enfiler eux-mêmes leur écharpe sous le contrôle bienveillant d'un voisin qui va vérifier qu'elle est bien ajustée. Et puis, je vais aller porter les écharpes aux adjoints nouvellement élus. Et donc, je vais me déplacer pour m'approcher de Denise Hirsch. Je vais prendre ma petite liste. Je vais te laisser ouvrir la boîte et de tout cœur, je te remets cette écharpe d'adjoint en étant très heureuse de te compter parmi mes adjoints au maire. Ah ben non, j'avais oublié Philippe. Philippe Herzberg, je suis très heureuse, Philippe, de te remettre cette écharpe. Je vais remettre son écharpe à Antoine Furneau. Très heureuse, Antoine. À Agnès Fisleiber. Et je vais revenir vers Luc de Noirmont. Félicitations, Luc. Très heureuse de se remettre cette écharpe. Nous allons laisser les adjoints nouvellement élus découvrir leur écharpe et la manière de l'enfiler. Et je vais poursuivre le déroulement de ce conseil municipal. Le dernier point à notre ordre du jour n'est pas une délibération, c'est une lecture de la charte de l'élu local. Ah oui. En application de la loi numéro 2015-366
du 31 mars 2015, il est fait lecture de l'article L. 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales relatif à la charte de l'élu local. Celui-ci indique que les élus locaux sont membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. L'élu local, l'article 1, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rencontre des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je vous remercie. L'ordre du jour de cette séance d'installation étant épuisé, nous allons la lever, mais je vais vous donner rendez-vous pour le deuxième conseil municipal, qui aura lieu mercredi 3 juin, c'est le 3, mercredi 3 juin dans cette même salle à 20h30. Nous élirons les membres des commissions et procéderons à un certain nombre de désignations complémentaires. Avant que nous nous séparions, je rappelle que le doyen d'âge, le secrétaire de séance et les deux assesseurs doivent rester pour signer les procès-verbaux de séance. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de soirée.